Hey Yogi, moi c'est Suzanne, bienvenue. Aujourd'hui, on va travailler une petite séquence pour les pieds et cette séquence est spécialement prévue pour les coureurs et les marcheurs. Essentiellement, c'est pour un petit peu de thérapie du pied, pour bénéficier d'une bonne mobilité, d'un bon étirement et principalement prendre soin de nos pieds, surtout quand on est un coureur. Moi, j'adore courir moi-même. Je trouve que c'est une pratique extrêmement relaxante, apaisante, qui me permet de vider l'esprit. Et je trouve que ça se combine bien avec le yoga, surtout quand on équilibre l'effort de la course et l'étirement avec le yoga, qui permet justement de relaxer, tendre, étirer les muscles. Donc, si tu es prêt, c'est parti, on y va. Voilà, on va commencer assis et tu peux venir amener une cheville sur ton genou ici et simplement faire des grands cercles avec ta cheville, ton pied. Et puis change de sens. Tu peux t'aider de tes mains bien sûr. Et puis on relâche et on va changer. Donc tu peux changer le croisement des jambes, placer la cheville droite sur le genou gauche et de nouveau faire des grands cercles dans un sens et puis dans l'autre. Super. Ensuite, je vais amener mes deux pieds devant moi. Et si je veux surtout ouvrir les orteils, grand, 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 on étire, on pousse les orteils dans les quatre directions. Et puis, je vais crisper mes orteils. Et je crispe et je serre. Et puis, j'ouvre et j'étale. Je crée de l'espace entre chaque doigt de pied. Regarde la différence entre tes deux pieds. Et puis, de nouveau, crispe. Super. Et puis, relâche. Et ici, on va venir s'asseoir sur nos genoux. Ouais, sur nos talons plutôt. Donc on est assis sur le talon, je vais juste décaler vers la droite pour pouvoir avancer le pied gauche. Donc mon pied gauche est devant. Je vais le ramener ici pour avoir le talon un petit peu en dessous du genou. Mais je vais commencer à avancer justement le poids du corps pour que mon genou dépasse ma cheville. Donc en général, on ne recommande pas ça au yoga. On dit toujours de garder le genou bien au-dessus de la cheville. Mais ici, vu qu'on veut travailler dans le tendon, il n'y a pas de souci. Si bien sûr, tu sens que tu as des problèmes de genou, je te déconseille de faire cet exercice si tu sens que ça ne va pas. Donc simplement avance, décolle le poids du corps. Pousse le poids et sens l'étirement ici. C'est de ne pas décoller le talon. Tu peux placer les mains devant ou à côté, là où tu te sens stable. Et puis reviens. Et on va faire ça plusieurs fois. Donc, pousse vers l'avant. Et reviens. Donc quand on court, on travaille vraiment beaucoup dans les chevilles. Il y a la stabilité de la cheville qui est importante pour ne pas se fouler, mais aussi le déroulement du pied. Le tendon d'Achille, bien sûr. Et reviens. Et repousse. Et reviens. Donc, idéalement, on essaie vraiment d'avoir le genou une dizaine de centimètres devant sa cheville. Et puis, reviens. Et on va changer de côté. Donc, je me rassieds sur mon talon gauche et je place le pied droit. J'amène le pied un petit peu en dessous du genou. Et puis là, je vais garder les mains à plat au sol et de nouveau, j'avance et je pousse et je reviens. Et on va faire ça quelques fois. Donc juste pour que tu vois sous un autre angle. Donc j'ai bien mon genou, même au-delà de mes orteils si possible. Et je reviens.
Et donc ça viendra aussi avec le temps, la flexibilité ici dans le tendon d'Achille et dans la cheville. Donc on est en train de fléchir ici la cheville. Donc si vous ne pouvez pas aller si loin, ce n'est pas grave, ça viendra. Répétez autant de fois que possible, tous les jours même s'il faut. Et on continue une dernière fois. Et reviens. Super. Là, tu peux ramener les deux pieds. Donc, les deux fesses sur les talons, les deux pointes de pied tendues. Et on va justement un petit peu étirer ici l'avant de la cheville. Donc, on était en flexion, maintenant, on va aller en extension. Donc, ramène les mains ici derrière toi et marche-les jusqu'à ce que tu sentes que tu puisses plus aller plus loin sans relâcher, créer de tension dans le bas du dos. Donc, on ne veut pas relâcher ici. Je garde l'engagement dans les abdos pour ne pas relâcher ici dans le haut du corps, mais en même temps, je commence à étirer dans les quadriceps et peut-être même dans les chevilles et peut-être même que je peux décoller un petit peu les genoux. Et de nouveau, je ne relâche pas ici dans le bas du dos, mais je continue à serrer les abdos. En même temps, la poitrine peut rester ouverte, prendre un bon bol d'air frais. Super, et puis doucement, reviens. Je ramène les mains devant moi, je viens à quatre pattes et là, j'aime bien taper un petit peu les pieds pour relâcher et secouer. Et justement, maintenant, on va venir étirer la voûte plantaire. De nouveau, on fait pas assez attention à notre voûte plantaire. Donc, cette arche qui vraiment porte tout notre poids et permet d'étaler le poids du corps sur tout le pied. On va planter les 10 orteils. En tout cas, essayer de planter chaque orteil dans le tapis. Gardez les mains ici devant vous dans un premier temps. Et vous allez pousser vos chevilles vers l'extérieur et puis vers l'intérieur. Extérieur, intérieur. Donc sentez que vous déplacez le poids sur les gros orteils et puis vers les petits orteils. Et on continue. Donc ça c'est le mouvement latéral des chevilles. Et alors moi je sais que j'ai naturellement tendance à toujours vouloir être sur les extérieurs de mes pieds, mais je dois vraiment me concentrer sur être vers l'intérieur pour plus de stabilité et d'alignement dans l'articulation. Donc ici, on a vraiment un alignement et une bonne descente de charge. Super. Donc, on va rester maintenant. Donc, imaginez que vous avez un bloc ou un livre entre vos deux talons et vous le serrez vers le centre. Donc, les chevilles sont vraiment rentrées. Et là, soit je reste ici si je sens que c'est déjà bien tendu dans les talons. Ou je peux commencer à relever le tronc et mettre plus de poids sur le pied. Idéalement, on reste ici quelques minutes et on respire. Ça peut être vraiment tendu et inconfortable, donc respirez, faites de votre mieux quand ça ne va pas, sortez-en. À nouveau, vous pouvez répéter plusieurs fois l'exercice, le processus, et vous pouvez vous sentir aussi la différence au fur et à mesure que vous vous entraînez, que vous faites cette pratique. Donc comme pour tout, la souplesse, ça vient avec le temps, mais il faut pratiquer régulièrement. Donc, ne pas être pressé, ne pas se blesser. Justement, le but, c'est de se renforcer, de créer une synergie entre le yoga et la course. Ouh, on respire, je commence à vraiment le sentir dans les pieds. Ça fait déjà quelques minutes qu'on est là. On reste encore une grande respiration. Et puis justement, là, on peut relâcher, on revient à quatre pattes et je relâche doucement. Je peux un petit peu secouer les pieds et puis peut-être taper un petit peu de nouveau. Super. Donc, on a quatre pattes. On va replanter les orteils dans le tapis. J'engage dans les épaules et dans les abdos et je vais décoller les genoux et commencer à pousser les hanches vers l'arrière pour trouver mon chien tête en bas. Je peux ajuster bien sûr les pieds et les mains. Et là, je vais pédaler les pieds simplement pour défaire un petit peu les tensions. Surtout si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas encore pratiqué aujourd'hui ou vous n'êtes pas chaud, les jambes seront probablement un petit peu raides.
Super. Donc on stabilise. Pressez bien les doigts dans le tapis, les bras forts, le dos long, le coccyx vers le ciel. Et là, je vais inspirer et lever, venir sur les pointes des pieds. Expire, je redescends. Et quand je redescends, j'essaie de laisser les talons devenir lourds. Les talons sont bien cachés par mes pieds. Donc, je n'ai pas les pieds vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Ils sont parallèles. Et on continue. Inspire et expire. Et notez que quand je lève les talons, je ne commence pas à arrondir le dos ou à changer la position de mon bassin. C'est simplement, je lève. Et je laisse tomber en contrôlant bien sûr la descente. Encore 5 fois. Et descend. 4. Descend. Restez concentré sur les pieds et les chevilles. 3. Qu'est-ce que vous ressentez? Descend. 2. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Dernier. Et descend, super. De là, on revient sur les demi-pointes et on va plier les genoux. Regardez vers vos mains. Et là, on va se propulser vers l'avant. Donc ça, c'est pour travailler la propulsion. Notez que quand je viens dans ma planche, mes épaules restent au-dessus de mes poignets. Et je serre les abdos, bien sûr. Expire, je repousse vers l'arrière. Les genoux flottent. Je pousse mes fesses vers mes talons. Je regarde devant moi et je propulse. Et encore, expire. Inspire. Expire, inspire, expire, inspire. Et on va rester ici dans la planche et simplement basculer un petit peu d'avant en arrière. Super, posez les genoux et relâchez un instant dans la position de l'enfant. Ensuite, on déroule et on va venir debout cette fois. Donc je viens debout, je vais placer mon talon au bord du tapis et je vais marcher mon pied droit. Donc on commence avec le pied gauche devant. Je vais marcher mon pied droit plus ou moins 4 pas derrière mon pied gauche. Donc je vais juste mesurer ici en sachant que j'ai mon talon au bord. Donc, un pied, deux pieds, trois pieds, et je replace. Donc voilà, j'ai bien les trois pieds entre mes deux pieds. Et là, je vais simplement avancer le poids. Donc je plie la jambe gauche, j'avance le poids du corps. De nouveau, mon genou peut un petit peu dépasser ma cheville, sauf si vous avez des problèmes dans votre rotule, et on va plier et descendre jusqu'au sol, le genou droit, et on remonte. Et je tends la jambe arrière, je pousse le talon vers le sol, et on redescend, et je laisse mon genou avancer ici. Hop, et descend. Hop, oups, on stabilise. C'est justement ça l'exercice, d'aider les cuisses et les chevilles à stabiliser. Et je pousse et je tends ma jambe, donc je pousse vraiment le talon arrière, vers l'arrière. Et j'avance. Et puis, on va revenir au sol. On va faire le même exercice, cette fois en gardant le talon arrière décollé quand je lève la jambe et que je la tends. Donc, inspire, je lève. Et je tends, mais je garde le talon décollé, à l'inverse de tout à l'heure où j'essayais d'amener le talon vers le sol. Le genou, poids du corps vers l'avant, et je descends. Et sentez que ça travaille bien dans le genou aussi. Descends. 3. Descends. 4. Descends. Et le dernier, 5. Et descends. Petite pause ici. On va faire le même exercice avec le pied avant décollé, donc le talon avant décollé aussi. Ça va vraiment venir nous challenger celui-ci. Donc il faudra vraiment utiliser tout le reste, tous les autres muscles pour stabiliser parce que les chevilles et les genoux vont vouloir
bouger un peu de droite à gauche. Mais on va essayer. C'est parti. Et on monte. Et descend. Et si ça commence à trembler, c'est tout à fait normal. Les muscles sont super engagés pour vous stabiliser. Mais c'est super, c'est ce qu'on veut. Surtout quand on court, pour ne pas se fouler ou se tordre. Dernière fois. Super, et relâchez. On relâche, on peut s'asseoir sur les talons un instant. Retrouvez le souffle. Donc, bien sûr, les bras, vous les dégagez, soit vous les mettez à la taille. Moi, j'aime bien, je trouve que je tiens mieux mon corps quand je suis là, mais vous pouvez les avoir ouverts, mais pas ballants. Si vous êtes ballant quelque part, ça déstabilise tout le corps. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois, c'est mon pied droit qui vient devant. Et je peux remesurer la distance. Donc, je mets le talon au bord du tapis. Un pied, deux pieds, trois pieds. Et je remarche le pied droit dans la position de départ. Ça sera peut-être un petit peu différent pour chacun d'entre vous, en fonction de la longueur de vos jambes, bien sûr, et de vos pieds. Et de là, je plie la jambe avant, mon genou peut dépasser un petit peu ma cheville, et ma jambe arrière étendue, avec mon talon qui essaie de tirer vers le sol. Premier exercice, et on descend. Donc bien sûr, comme je disais, les bras ne sont pas ballants, et pareil, dans les abdos, on est quand même soutenu. Et le dernier, descend. Et on va rester en bas cette fois. Et juste marquer une petite pause. Le deuxième exercice, on garde le talon arrière décollé au moment où on tend la jambe. C'est parti, on inspire et on lève. Je tends la jambe arrière, mes talons décollés. Et je monte, descend. 3, 4, 5. Et je reste en bas. Super, petite pause. Et puis le dernier, c'est le plus dur, avec la cheville avant, donc le talon avant décollé également. C'est parti, je serre déjà dans mes hanches et mes abdos pour aider. Et je monte. Donc deux pointes et je descends. Il y aura peut-être un côté plus dur, mais sentez, vous voyez que votre genou veut bouger dans plusieurs directions. Il faut stabiliser. C'est de garder l'alignement, le focus sur cet alignement. Ça brûle dans les cuisses, ou ça secoue, ça tremble. Les deux derniers. Et on descend. Ouh, bien joué, relâchez. Et là, on peut revenir à quatre pattes. Et à nouveau, un petit peu taper dans les pieds. Et puis repousser vers une position de l'enfant. Doucement, déroulez, redressez-vous. Et voilà, on arrive au bout. Un petit exercice, une petite pratique courte, mais vraiment pour travailler les pieds, tous les aspects liés aux pieds, propulsion, étirement, flexion et mobilité et souplesse du tendon d'Achille. Et voilà, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à refaire cette pratique autant de fois que nécessaire. On se retrouve la prochaine fois sur le tapis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci d'être là et de pratiquer avec moi. Namasté.